L'heure du départ a sonné pour l'équipe de France de saut à ski. À Chauxneuve, où il a effectué ses derniers sauts dans l'Hexagone, Vincent Decomsevoix sélectionne ses skis et ses combinaisons pour la Coupe du Monde de Wisła en Pologne. Une toute neuve, ça suffit Robert ? Avec le nouveau... La première étape d'une saison bien chargée pour le Chamoniard. Mythique tournée des quatre tremplins, championnat du monde de vol à ski qu'il affectionne tant, Jeux Olympiques de Pyeongchang aux enjeux planétaires, et un dernier tour en terre scandinave à l'occasion du Roar qui lui permettra de s'envoler des tremplins norvégiens et suédois. Je crois qu'il faut se préparer mentalement à visualiser un peu la saison et puis mettre des points où on est taquet et puis trouver des points de relâchement un peu parce que je crois que c'est avoir la tête dans le guidon tout le temps, ça prend un peu de l'énergie là aussi. Les athlètes, ce sont des professionnels et on se prépare à ça. On se prépare, c'est un combat de tout l'hiver. Par contre, on fait quand même des choix. Nous, on a décidé de faire deux impasses en vue de préparer les Jeux Olympiques. C'est qu'en Corée du Sud, Vincent Decomsevoix pourrait toucher les étoiles et entrer dans l'histoire de son sport, si populaire dans de nombreux pays. Tout est possible. Il y aura certainement un ou deux sauteurs qui sautent encore plus fort que les autres, c'est toujours comme ça. Mais il n'y a rien à dire, on a vu à Oberstdorf qu'on est dans le coup, on peut faire une dixième place, on est bien content et d'un coup à l'autre on se retrouve dans les cinq. Et ouais, tout peut arriver, tout est possible. Donc du coup on est dans le bon chemin, je ne me fais pas forcément de fausses joies, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mais je crois aussi qu'il faut y penser pour justement avancer encore et encore. Tu ressens comment, toi, les choses ? Le ski est un peu plat, mais je pense que ça ne me dérange pas trop. Et tu abordes le télémarque sûrement plus facile. Donc ouais, l'année dernière, pas grand-chose. On a bien vu que ça aurait pu faire. Donc j'ai un peu plus de confiance personnelle par rapport aux autres. Quoi. Quand je suis sur les compétitions, c'est vrai que je me sens plus dominateur, acteur. Est-ce que c'est peut-être ça qui va faire la différence ? C'est peut-être déjà ma réponse. Pour Vincent, un objectif, une médaille. Avec le travail qu'on a fait depuis 4 ans, on est monté. On a monté l'échelle gentiment, petit à petit. Je sais pertinemment là aujourd'hui qu'on a encore une petite marche, un petit clic à faire pour rentrer vraiment dans les meilleurs. Je pense que Vincent, il est capable de le faire. Il nous l'a prouvé, il nous le prouve des fois à l'entraînement. Il nous l'a prouvé en fin d'été sur les compétitions. Et voilà, franchement, j'ai bon espoir de faire une médaille quoi, avec Vincent.